Et saut prison et dans l'oiseau. Puis bon, de toute façon, Libreville, c'est un très très beau souvenir. Parfait. Je vais prier... En parlant de souvenirs, je me suis retrouvé là-bas aussi avec Valérie. Ouais. Et c'est des bons moments aussi. C'est des bons moments. C'est un endroit où tu t'es retrouvé avec Feu Valérie, ouais, qui était un frère pour toi. Voilà pourquoi il te revient l'honneur de lancer cette commémoration de manière religieuse, mais aussi en chanson. D'accord. Merci. D'accord. C'est une chanson qui a été enregistrée pas loin d'ici, avec au piano un monsieur qui s'appelait Mbida Douglas. Il est toujours vivant. À l'époque, il s'appelait Mbida Douglas. Maintenant, il s'appelle Mbida Jack Douglas. Et c'était à côté dans un studio ici, et le batteur s'appelait Valérie Lobet. Donc, c'était pas prévu que je la chante, mais je vais la chanter pour qu'on se souvienne, parce que je crois que c'est une journée du souvenir. Ata, ata, maïna, oliti, mazen. Vous entendez la guitare? On entend surtout la voix. Gouvenin, maïou, l'oudje, akakwimo, soye vata so. Oudje, nyongoma, wulouma, nyongoma, tat. Hey, young man, that is a big young man, that to do 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 do. Mène Ringonga, me t'en fâte. Minjubi mane ya me t'en yo. Ajote malon wa amfujam. Now zuvalma. Abi muwa bimawa bimawa yeah bimawa maza kajang. Oh no, I'm a one. Oh, I come on a man. Go back to my be. My union, you be my love. Be my love. Yeah, yeah. Be my love. Oh no, I'm a wall. Oh, I come on a man. Go back to my be. My union do. Be my wall as of a young lesser. Be my water. Be my woman, Zaka Jung. Be my woman, Zamba Yangulis. Be my water. Go back to my beat. My you.
Tiwana, my illusion joy, my illusion. That Jesus Christ, my tuna, my illusion joy, my illusion. Mamia Signor Mandama. Mi sono mi mani a botte, mai a illusione di, mai a illusione. Ma me a signore mandale ma, mi ho le mani a botte, mai a illusione di, mai a illusione. Ma e bo. Je ferme ta couronne, oh non le mot en moi je comme mal. Ajoute my illusion, my illusion, my illusion, mon sauce. My illusion dream, my illusion, my illusion. Attends, attends, attends. My illusion dream, my illusion. Young merci, 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 merci. Merci, c'est la journée du souvenir. Et je vous dis que le batteur qui a joué dans ce morceau, c'était Monsieur Valéry Lobé, dont on se souvient ce soir. Merci beaucoup, Georges. Ne t'en va pas encore. Ne t'en va pas encore. Il est prévu que tu fasses une petite prière. Tu prieras pour Valéry Lobé pour lancer cette commémoration dont la lourde responsabilité te revient. Et je suis très heureux que ce soit à toi que cela soit confié, connaissant ta sensibilité et ton amour pour Valéry Lobé. Merci, mes bien chers frères, mes bien chères sœurs. Prions le Seigneur. Père éternel, nous te rendons grâce parce que tu es le Dieu de l'amour, tu es le Dieu de l'amitié. Nous te bénissons pour cette initiative qui a été prise afin que nous puissions nous retrouver et c'est une véritable joie de revoir des amis depuis plusieurs années que nous n'avons pu voir afin que cet après-midi dans ce jardin se manifeste ton amour, l'amour du Dieu vivant. Nous voulons nous souvenir également de notre frère Valéry qui a cheminé avec nous du temps de son vivant sur cette terre. Nous voulons nous souvenir de lui, montrer qu'on n'a pas oublié et que nous pensons à lui. Nous voulons, Seigneur, nous unir à sa famille pour nous souvenir de lui. Nous voulons te remettre ces moments, ce que nous allons manger, ce que nous allons boire, sanctifie et purifie, bénis les mains qui ont préparé, bénis la famille qui nous accueille, bénis cette maison. Que ta grâce soit sur ce lieu et sur chacun de nous ici présents. Nous te prions donc de prendre la direction de cette réunion. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Excusez-moi pour le micro. Amen. Merci beaucoup, Georges. Tu vas regagner ta place, mais tu reviendras dans quelques minutes car nous allons donc poursuivre cette commémoration. Et j'invite la maman de la maison, Christiane Lobé, s'il vous plaît. Diana également, si tu peux. Ambre. Voilà, maman. D'accord, venez, s'il vous plaît. Les petits-enfants. Tania. Tania, viens. Viens avec ta petite sœur. Nélia. Venez, les enfants. Ah, il y a même le nouveau-né, comment il s'appelle, le petit? La petite. Nélia. Nélia. Oh, qu'elle est mignonne. Bon.
Nous allons donc, Madame Lobet, vous remercier d'avoir permis que cette commémoration ait lieu dans ce lieu. Il n'aurait pas pu avoir lieu ailleurs qu'ici. Nous savons combien vous vous êtes battu. Vous avez fait tout ce que vous pouviez faire pour que cette commémoration ait lieu. Je vais donc vous passer le micro pour dire un petit mot ou un grand mot. C'est vous qui choisissez, à ceux qui ont bien voulu venir rendre un hommage à Valérie aujourd'hui. Donc, soit vous, soit Diana, mais c'est vous qui allez déléguer. Je vous passe le micro. Bonsoir à tous. Enfin, bonjour. Moi, je vais juste dire deux petits mots. C'est que je suis très heureuse de vous voir ici présent. Ça nous rappelle des souvenirs. On est émus aussi. Déjà que Dieu vous bénisse tous, parce que c'est pas tout le monde qui aurait pu faire ce geste-là. On aurait peut-être même pu nous oublier, aller à l'oubliette, mais non, vous êtes là ici présent. Maintenant, quoi dire d'autre à part merci. Merci beaucoup. Vous allez dire un petit mot quand même. Alors, moi je vais dire juste un petit mot, un merci, un grand, grand merci. Et tout à l'heure, quand j'ai vu Dodi déballer la batterie de mon défunt époux, j'ai été très émue parce que, bon, ben, à l'époque, on le faisait ensemble et puis, bon, je l'accompagnais et tout. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un d'autre qui prend, qui ouvre cette batterie. Mais bon, bref, j'ai eu un moment d'émotion, mais bon, là ça va, je tiens le coup, j'ai tenu le coup, j'ai élevé mes enfants, j'ai mes petits-enfants, j'ai Diana qui a deux petites filles, il y a Ambre qui est là, qui n'a pas encore d'enfants, il y a Aldric qui était là, il y a certains qui l'ont vu, mon fils, il est au foot actuellement, qui a sa petite fille Nelia, ça fait un mois et demi. Alors ce qui fait que bon, ben, je suis très heureuse qu'au moins vous partagez ce plaisir et ce bon moment avec moi, avec nous. Et franchement, nous vous remercions beaucoup d'être là, d'avoir respecté vraiment cette invitation qui a été organisée par Ernest, qui, il fut un temps après le décès de mon défunt époux, Ernest nous rendait visite. Et subitement, bon ben, on s'est perdu de vue. Et tout dernièrement, il m'appelle, il me dit, Christiane, bon ben, ça fait très longtemps. Est-ce que ben, ça te dirait, parce que bon ben, je pense, je dis, mais pourquoi pas, mais c'est une bonne idée. Mais je pense que bon ben, il va falloir ne serait-ce que ne pas s'arrêter à nous, perpétuer cette initiative plus tard pour les autres. Et ce qui fait que c'est pour cela que vous êtes là aujourd'hui, grâce à Ernest qui m'a recontacté après quelques années. Alors, et il y a un autre là, très loin là-bas, Justin Bovin, qui m'a contacté juste pour nous inviter au restaurant. Mais bon, c'est pas grave. Mais le restaurant n'a pas eu lieu. J'attends toujours. Ce n'est qu'une partie remise et j'attends toujours. Merci. Je dois t'afficher. Il faut que je t'affiche un petit peu, Justin. Le restaurant, on l'attend toujours. Merci. Allez, bye. Bon, ben, oui, c'est bon. Ne t'en va pas, Christiane, ne t'en va pas. Merci beaucoup. Ne soyez pas surpris de me voir tenir Christiane par l'épaule. On s'est dit des choses, car nous avons quelque chose en commun. J'avais ouvert le bal en 2008 et elle en 2009. Vous suivez mon regard. Donc, nous sommes un peu la même famille, elle et moi. Des gens qui ont vu des personnes qu'ils aimaient partir trop tôt. Voilà pourquoi il y a cette petite solidarité entre nous. C'est bien ça, hein? Oui, c'est ça. Allez, merci. Bye. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Bon, Justin fait beaucoup de choses, hein, Christiane, tu ne le sais pas, mais il fait beaucoup de choses, donc ça va se faire. Et je serai là ce jour avec ma caméra pour immortaliser le resto. Voilà. Ernest, c'est à toi qu'est choix de venir me retrouver ici, s'il te plaît. Ernest Voima, que je voyais sur les pochettes des disques quand j'étais gamin, maintenant j'ai à peu près sa taille. Ernest, je ne t'avais jamais rencontré, on s'est parlé pour la première fois il y a 2 ans, après le décès de Papa Manou. Effectivement. Et tout récemment, mon téléphone sonne, c'est Ernest Voima. Jackie, je veux que tu sois là pour présenter la commémoration à Valérie Lobet.
J'ai parfois envie de te demander pourquoi moi. Pourquoi moi, hein? Mais pourquoi pas toi? Nous avons eu un contact qui était très bon. Tout à fait. Et voilà, et j'ai pensé automatiquement à toi pour cet événement, parce que c'est quelque chose que nous voulons faire dans la simplicité, dans la convivialité. Et ça allait tout à fait dans le sens du premier contact que nous avions eu. Ah, tout à fait. Voilà. Bon, mais comme quoi, il faut toujours avoir des bons premiers contacts. Vous voyez où ça nous mène, hein? Hein? N'est-ce pas, Serge? Ah, tu es là, Serge, il est où? Ah, on t'a vu, à côté de Justin. Bon, je te laisse dire ton mot de bienvenue et expliquer à nos invités, à tes invités, pourquoi tu as eu l'idée d'organiser cet hommage à Valérie Lobet. Ok, merci beaucoup, Jackie. Je te laisse la grande place. Bien, et je vous salue tous et surtout, je vous remercie d'avoir répondu présent à cette invitation. Ça fait très plaisir de vous voir. Alors, je vais demander votre attention, s'il vous plaît. Nous aurons tout le temps de discuter après. Christiane vous le disait tout à l'heure, je l'ai recontacté. Et parce que j'avais réalisé simplement que ça faisait longtemps, ça faisait très longtemps qu'on ne s'était pas vu et j'estimais que ce n'était pas normal. Donc j'ai voulu réparer cela. J'ai appelé Christiane et voilà, je lui en ai parlé. J'étais censé venir juste avec deux, trois potes, avec Justin, avec Guy. Et voilà, et on a échangé avec Christiane et ça aboutit à ce que vous voyez aujourd'hui. Donc le but de cette rencontre, c'est de faire revivre la mémoire de Valo qui était chère à nos cœurs, de venir consoler la veuve et les orphelins. Et c'est ça la base en fait de cette rencontre. Au-delà de ça, j'ai constaté aussi que par la force des choses, nous tous, autant que nous sommes ici, qui avons quelque chose en commun, de par le métier que nous exerçons, par notre art, par nos compétences, par la force des choses, nous nous sommes éloignés les uns des autres. Ce n'est pas forcément par notre volonté, mais chacun doit chercher des solutions par rapport à sa vie, chacun doit bâtir sa vie, chacun doit faire ses propres expériences, et ça nous emmène à aller de plus loin les uns des autres. La vie est de plus en plus difficile. Entre-temps, nous avons eu le Covid. Regardez. Avant le Covid, nous avons perdu des êtres chers. Pendant le Covid, nous avons perdu des êtres chers. Après le Covid, nous continuons de perdre des êtres chers. Il y en a parmi nous, ici, qui sont encore dans le deuil parce qu'il y a quelqu'un qui est parti récemment. Et je me suis dit, ce n'est pas normal que les choses soient ainsi. Nous avons quelque chose tous à partager et nous ne pouvons pas rester chacun dans notre coin. Nous ne pouvons pas, en fait, vivre selon comment la vie nous emmène, c'est-à-dire nous subissons la vie. À un moment donné, nous pouvons faire quelque chose. Et simplement le fait de nous retrouver comme ça, échanger, vous voyez, je pense que ça va, en fait, faire du bien à chacun d'entre nous. Ramener, réchauffer ces relations qui se sont refroidies, pas forcément de notre fait, mais par les choses de la vie. Nous pouvons prendre une initiative comme ça, nous retrouver et dire que oui, nous avons quelque chose à partager en commun. Quand vous regardez, il y a des personnes, certains d'entre vous ne se connaissent que par le nom, ou bien ça fait très longtemps qu'on ne s'était pas vu. Mais je pense que c'est bien, c'est intéressant de pouvoir se réunir comme ça, de pouvoir se retrouver, de pouvoir échanger, de pouvoir parler. C'est bien. L'être humain, je pense, est fait pour être ensemble et pour communiquer. Voilà. C'est cela que j'ai voulu faire aujourd'hui. Donc, en rappelant bien sûr que le socle de cette rencontre, c'est bien sûr la mémoire de Valo. Mais regardez, je pense que la mémoire de Valo peut nous emmener encore plus loin. C'est-à-dire, au-delà du fait de nous souvenir de Valo, nous pouvons réveiller cette solidarité qui était en train de disparaître, cette solidarité entre nous qui était en train de disparaître. Vous voyez, dans la simplicité, dans la convivialité, vraiment la convivialité, faire vivre vraiment cette amitié-là, parce qu'ensemble, nous avons réellement quelque chose à partager. Voilà. Nous nous connaissons,
les uns, comme j'ai dit, on se connaît juste de nom. Et je pense qu'il est bon que nous nous connaissions plus en profondeur. Beaucoup d'entre nous ici, nous avons quelque chose à partager. Et nous ne devons pas laisser les autres nous découvrir. Comme il est dit dans la Bible, nul n'est prophète chez soi. Nous ne devons pas laisser les autres personnes d'autres milieux, les autres personnes même à l'étranger, apprécier ce que les uns, les autres, nous avons, ce que nous qui sommes proches, nos frères, nous avons, et nous, nous ne considérons pas ces choses-là. Nous devons, je prends, à mieux nous connaître aussi et apprécier chacun dans sa différence et dans sa diversité. Voilà, c'est un peu mon propos aujourd'hui, c'est un peu l'ensemble de mon propos aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai pensé à quelque chose que je partage avec vous. Nous sommes là ensemble sur la base de la mémoire de Valo. Ce que je suggère, c'est que parmi nous, un certain nombre de personnes puissent prendre la parole, évidemment évoquer le souvenir de Valo, mais aussi pouvoir évoquer le souvenir de Valo, la collaboration avec Valo, tout ça, mais aussi pouvoir parler d'elle, les personnes qui prendront la parole, pouvoir parler un peu d'elle. Nous en avons profondément discuté avec Christiane et les personnes qui m'ont aidé, parce que c'est vrai qu'il y a lieu de se poser la question, est-ce que c'est le lieu et le moment pour faire ça? Mais moi, je pense que oui. Je pense que oui, justement, parce que cela nous rapprocherait de mieux nous connaître. Voilà. Et c'est la mémoire de Valo qui nous emmène à le faire. Voilà. Donc, si vous le voulez bien, à un certain moment, je vous l'annonce dès maintenant, un certain nombre d'entre nous prendront la parole pour pouvoir parler, évoquer Valo, et puis parler d'elle, de leur parcours musical, de leur parcours professionnel, parce qu'il est important que nous nous connaissions. Voilà. J'ai été assez long. Je m'en excuse. Et voilà. Donc, tu es pardonné. Merci beaucoup, Ernest. Tu es un homme rassembleur sur le peu que j'ai vu et je souhaite que tu gardes une bonne santé pour continuer ce que tu viens d'initier là. Merci. Et j'espère que la solidarité africaine tant vantée suivra tout ce que tu lanceras. Je serai au premier rang à tes côtés, ça c'est une certitude, je le promets. Merci. Alors, cette commémoration est assurée sur le plan gastronomique par Madame Eyabs, qui est dans le coin. Où est-elle, Madame Eyabs? On veut la voir, Madame Eyabs. Elle est où? Je ne sais pas ce qui arrive au gars. J'appelle sa femme, mon micro s'arrête. Donc. Le gars a toujours caché sa femme. Voilà pourquoi. Viens, Madame Eyabs. Viens. On t'a vu mettre l'oiseau au feu, là. Qu'est-ce qu'il y a au menu? Dis-nous. Au menu? Tiens le micro. Écoute ton mari, vas-y. Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est la surprise. Vous me connaissez très bien. J'aime bien surprendre certaines personnes. Oui. Ceux qui ne me connaissent pas, mais il y en a beaucoup qui me connaissent déjà. Donc aujourd'hui, vous allez manger ce que vous allez manger. D'accord? Je ne vous dirai rien. Hein? Mais il y a l'oiseau. Il y a l'oiseau. Oui. On l'a vu au feu, l'oiseau. Hein? Ne t'en va pas. Reste là un peu. Moi, je te connais pas. Voilà pourquoi je veux te garder ici longtemps. Pourquoi? Ah, parce que Yabs ne m'a jamais invité. Hein? Bon, il y aura l'oiseau, il y aura certainement d'une de l'eau aussi, mais ne dis pas tout. Je ne dis pas. Vas-y, continue avec l'oiseau. Nous aimons l'oiseau. Est-ce que vous n'aimez pas l'oiseau? Vos assiettes sont vides là. Bon. Ok. Alors, je vais saluer avec votre permission le grand frère Richard Epessé qui vient d'arriver et Jacques Ndjeyimbe qui est quelque part, que j'attends depuis comme les chrétiens attendent Jésus. Donc, j'étais enfin vu. Tout comme j'ai enfin vu Guy Sanguet. Je suis très heureux que Ernest Voma ait eu l'idée d'organiser cette commémoration. Merci beaucoup à toi, Ernest. Voilà, Guy Sanguet au fond, là-bas, il est au Shabbat. Vous l'avez vu? Il ressemble à un samouraï, là. Très beau gosse. Nous allons donc poursuivre, toujours avec Georges. Georges, c'est sur toi. Tu as quelque chose à nous chanter? Oui. En attendant que Georges me rejoigne, je vais vous annoncer que cette commémoration a été organisée avec le grand concours de quelqu'un qui est vêtu de rouge. D'un homme qui est vêtu de rouge. Regardez autour de vous. Regardez devant vous. Vous le cherchez? Lui aussi le cherche. C'est le grand Bida Douglas
qui a été au four et au moulin dans l'ombre. Il adore l'ombre, lui, je ne sais pas pourquoi. Douglas, viens, s'il te plaît. Viens avec Georges, s'il te plaît. Tu ne peux pas rester dans l'ombre longtemps. Georges, viens. Za. Fais-nous un truc qui va nous faire danser un peu pour lancer le buffet. Douglas, tu es un grand frère, quelqu'un qu'on aime beaucoup, mais tu adores l'ombre. Qu'est-ce que tu fais dans l'ombre alors que tu es clair, Hamza? Mais de toute façon, c'est par rapport à l'importance de l'événement. On n'est pas là pour prendre la lumière. On pense à quelqu'un qui nous manque. Donc, oui, mais c'est vrai, tu parleras de Valo tout à l'heure, mais sache que si tu ne veux pas prendre la lumière, il y a longtemps que tu n'as plus la lumière depuis ta naissance, donc tu ne peux pas te cacher, on va toujours te voir. Voilà. Donc, Georges, s'il te plaît, lance-nous quelque chose et ensuite, Madame Eyab s'occupera de nous avec l'oiseau. Il y a les meilleurs batteurs du Cameroun ici, là. Il n'y a pas quelqu'un pour jouer un peu, et puis on va faire des percussions avec les fourchettes, et puis la chorale, tout le monde va chanter. Je vais jouer encore un morceau, que c'est la journée du souvenir. Et moi, je me souviens de Valérie Lobé. Et on a enregistré dans un petit studio à Roissy-en-Brie. En 1900, beaucoup d'entre vous n'étaient pas encore nés. 1900 longtemps. Et le morceau commençait justement par la batterie. Alors, je ne sais pas s'il n'y a pas un batteur pour nous jouer quelque chose, juste... Hey, Dodi, c'est Dodi le périphère qui vient alors, c'est ça? Bakuya cinema. Bakuya cinema. Vous m'avez dit que vous avez dit cinéma. Bakuya cinema. Baissez la musique. Est-ce qu'il y a la femme, il y a des femmes dans ce jardin? Est-ce qu'il y a des femmes dans ce jardin? Je veux entendre les femmes chanter. Abakuya, cinéma. À vous les filles. Je veux entendre les filles du jardin de Valérie Lobé. Abakuya, cinéma. À vous. Abakuya. Cinéma. Abakuya cinéma. Abakuya cinéma. Non, comme il y a des vrais hommes ici dans ce jardin, à vous les hommes. Abakuya cinéma. Abakuya cinéma. Vous m'avez une belle vina, tombe mon cinéma. Abakuya cinéma. Bon, tout le monde va chanter alors. Vous êtes fatigué parce que vous avez bu de l'eau seulement, n'est-ce pas?
Vous allez voir, vous allez être autrement quand le vin, quand les bouteilles de vin seront vides. Tapez des mains. À taper des mains. À taper des mains. À taper des mains. Maintenant en chantant. Abakuya, Abakuya, Abakuya cinéma. Abakuya, Abakuya, Abakuya cinéma. Woman and you, Belevina, Toba manga cinéma. Abakuya, Abakuya, Abakuya cinéma. Abakuya, Abakuya, Abakuya cinéma. Abakuya, Abakuya, Abakuya cinéma. On aurait pu prier ou faire d'autres choses encore très religieuses. Mais c'est important que vous sachiez que sans, vous avez, c'est le tube numéro 2. Le premier tube Bikutsi, parce qu'il y a des grands avant nous, Messi Martin et tous les autres, qui ont lancé le Bikutsi. Mais nous autres, on est arrivés et j'ai eu, moi, le privilège de faire le premier hit Bikutsi. Et dans la batterie, le morceau commençait par un batteur, et c'était votre père, Valérie Lobé. C'était le plus grand hit des années 80, au point où ça marquait des générations, au point où un champion français camerounais, Yannick Noah, a repris le morceau. C'est pour dire que votre père a joué dans des titres qui ont vraiment marqué, et nous voulons lui rendre hommage ce soir. Je vous demande d'applaudir encore pour Valérie Lobé. Merci beaucoup, Georges Sébin. Beaucoup, beaucoup, vraiment beaucoup. Merci beaucoup. Et moi, je voudrais profiter simplement pour dire que Ernest disait qu'il faudrait que ça se perpétue, et l'épouse de Valérie aussi. Eh bien, j'aimerais que ça se perpétue, effectivement, parce que nous autres, on a vécu des événements de ce genre, de séparation avec les gens que nous aimons. Et c'est une belle idée. Il faudrait qu'on perpétue ça aussi dans mon jardin, un de ces jours. Je suis très touché. Parce que là, je vois la crème de la musique camerounaise qui est là cet après-midi. Et vous imaginez pas de ce que ça représente. Vive Valérie, vive la musique camerounaise, vive nous-mêmes. Ne t'en va pas, Georges. Merci. Oui, des ovations pour lui, il le mérite. Attendez, vous avez à saouler de l'oiseau aussi peu? Bon, Georges, tu dis que ça doit se faire dans ton jardin aussi. Je vais faire un petit congo ça ici. Nous avions prévu quelque chose de ce genre dans le jardin de Georges, mais la Covid a retardé cela. Donc, Georges, on l'a fait quand tu veux. Hein? Ben voilà, on s'arrange tout à l'heure hors antenne. Et puis, Non, nous ne sommes pas à l'antenne, là, Georges. On peut l'arranger ici. Il y a la caméra qui... La déformation professionnelle, il se croit à l'antenne, Georges. Prochainement, Madame Eyab vient nous faire à manger aussi à la maison. Parce qu'il n'y a plus personne pour faire à la maison chez moi. Mais au moins, il y a un jardin pour que des sommités comme ça se retrouvent. Bonjour, je suis Nicolas Guéret, saxophoniste et flûtiste. Et je viens vous parler de mon ami Valérie Lobé. Voilà, c'était un homme et un musicien merveilleux. Et en fait, il faisait preuve de beaucoup de talent, mais aussi était capable de fidélité en amitié et d'humour aussi. Donc c'était quelqu'un d'extrêmement précieux. Voilà, donc ça a été une amitié qui a duré quand même quelques années, notamment avec Touré Kounda, avec Touré Kounda dans des voyages en Nouvelle-Calédonie, dans un voyage en Nouvelle-Calédonie absolument formidable, où nous avions eu le temps vraiment de bien échanger et de bien s'amuser aussi et de bien jouer. On a vécu beaucoup de choses avec les autres musiciens d'ailleurs qui étaient présents. Le regretté Doumbé Djengue, Even Jock, Christophe Dutray à la trompette, paix à son âme, Pierre Chabrel au trombone et moi au sax. Et donc c'était vraiment quelqu'un qui était un excellent musicien comme chacun le sait, mais qui en plus était... un ami fidèle et quelqu'un qui savait aussi vous pousser dans vos retranchements. C'est-à-dire qu'il était assez curieux des gens et connaissait leur qualité et leurs faiblesses et en jouait aussi, mais toujours d'une manière bienveillante.
Chers convives, nous allons maintenant ouvrir le buffet. Je vois Madame Eyabs qui est déjà... Madame Eyabs, ça va? On peut... 2 secondes, c'est fini, les 2 secondes sont passées. On fait quoi? On commence? Bon, ben, monsieur Eyabs, lance-nous une petite musique en attendant qu'elle mette. Tu n'as pas de musique? Il y a des musiciens là. Il y a des musiciens. Bisous, Bazou et Tabas. Non, non, il n'a pas bien joué, on ne l'a pas vu, il n'était pas de face. Bisous, viens. Chaque fois que tu me vois dans les cabarets, tu me dis, Jackie, moi, il faut venir chanter, tu chantes. Toi, Bisous, Bazou, viens chanter. Viens jouer ici et chanter, c'est quoi? Viens chanter pour Valo, viens, 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 viens. Ne contourne pas, viens tout droit, prends ta guitare. C'est pas grave. Tu sais que Bisous, c'est mon cher. Je ne peux pas m'attaquer au grand Richard comme ça, mais Bisous, c'est ma génération. Donc, viens, pardon, tu es de dos, on ne te voit pas bien à la caméra, viens. Voilà, Bisous, prends-nous le micro. Tu es là, c'est bien. C'est l'arroseur arrosé. Oui, ah, c'est. Chante. T'es mal barré. Non, non, ça me dérange pas. Hein. Voilà. C'est pour voir que tu chantes comme moi. Bonsoir. Bon dimanche à toute la grande famille. Je fais un coucou à tonton Valo, monsieur Valéry Lebert. J'ai connu il y a 35 ans. J'avais 6 ans à l'époque. Je suis arrivé en France en 2006 et il m'a adopté. Grâce à lui, j'ai joué plein de projets de disques à Paris, en l'occurrence Dinali, Longue Longue, beaucoup d'albums réalisés par M. Valéry Lebert. Un tonton très gentil, très convivial, très, très blagueur. C'est pour ça que j'ai tenu à être ici ce soir. Pour moi, c'est la première fois de venir chez M. Valéry Lebert. À l'époque, je pense qu'il habitait à Saint-Denis, un truc comme ça, celle où je l'ai connu. Et quand NS m'a parlé de cet hommage, j'ai pas hésité, j'ai dit je serai là. Je vais faire une chanson qu'il aimait affectueusement. Le titre s'appelle Juventus, joué par son confrère aussi qui est parti, Ebene Donald Wiskley. Et Valérie aimait particulièrement les batteries de cette chanson. Est-ce que Richard est là pour jouer à la basse? Si. Kidi body no biyo ikane wase moye no utamungele lo bayuele utamungele lo bayuele Bata pemiye Diso bele lale la songo Juventuso bye bye wa Bye bye na tena bunde ya Pata pemiye Diri so bele lale la songo
When you so bye bye, bye bye, na tena bunde ya. Père son âme, Valérie. La Blue Note, c'était cadeau. Chanson aimée par M. Valérie Loubet. Je vais continuer dans la même lancée. Ne dites pas ce qu'on vous fait. Eja ipenye bubu, umbe weni wino uwala, banebe jangwa buka wai, mbembe nine nyapo wa bebe, wamusoti wamene muni miso. Nula si benela kodi amuna tite batimbi uniye wa mongo suna punda o si beni fei bolo tobe jeji unini tumba emala pombe wa bobe asoni sona muna madiba valo umba na wejiye ema umba na wejiye Kedi yomba na wedi Toba na be na wino ya Basi mende wuta midungu O makane sote te loko Namuni penga mongo madibie Wabaneni ye Nadidute alongo la isungu Yepo wa bobe O malabe o bolone Tibambe longo le wati kasango Yo abanenye Yo wajapewe e ate Nasengina Yeo Yepo wa bobe amutasawa We falu Wabole jandi sane tete yungu Tsunami yangadu e Unongi moni tike buke dupe Wabane niye Wasuka nende wala jamatanda Yepo wande diye Yo wabane niye
Nadia Perwa Eate Nasengina Yo Epo Abobe Amota Sawa Babalo Pebalo Walo pesa ka ebola lemba ka wameno titi pendungo Bena muto abusi tetumba Wawasande mitele moi Bamuna tete ebe wayo Ayo bade Saba Saba producteur sous prison. Ayo bye. Oumsena Moussango, tonton Valo, Obodi Mangolo. Ngeya bisobe se sonne. Richman. Walo pesa kaebola lemba. Kawameno titi pendungo Bwena muto abusi tetumba Wawasande mitele moi Bamuna tete ebe waye Ayobade Just go further Ayobade Ayobade Yo Iyo abane niye Iyo Wajapewe eate Nasengi na yeo Yepo abobe amota Sawa Merci beaucoup, bisous. Bah, si je pouvais te garder au soleil pour nous faire de très belles mélodies comme ça, je t'y laisserais. Mais bon, viens. Viens te servir. Merci beaucoup, Richard et PC.